Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous, mardi 2 juillet 2024, nous comptons rentrer la CAO dans l'ESA en collaboration avec VOA Créole pour que nous soyons capables d'informer de nouvelles qui gagnent par la CAI par nous avec l'autre bord de l'eau. Mais quelques points à gagner pour nous développer un journal là, pour la CAI par nous, nous allons parler de insécurité. Eh bien, les examens, ils ont kidnappé, ils ont un prêtre au niveau de, eh bien, paroisse grecienne. On vient avec plus de détails concernant un kidnapping ça qui fait hier lundi 1er juillet 2024 là, dans la commune grecienne. L'autre information dans le journal là, eh bien, pralmené nous, eh bien, un rapport ça, eh bien, que UNICEF lui-même lui mettait dehors par rapport avec la situation Timounio en Haïti. Après UNICEF, gagné plus passé 300 000 Timoun qui obligé à quitter la capitale là pour que soient capables d'aller en province par rapport avec problème insécurité et qui gagnait dans un pays. N'a pas quitté information concernant UNICEF. Eh bien, il y a une police nationale d'Haïtien qui annonçait que, eh bien, ils arrivaient à récupérer commissariat agressif qui était en bas contrôle, un examen qui a opéré dans la localité Silla. Eh bien, la police fait qu'on est, je ne j'en dis pas, commissariat que nèg examen te prend et puis yo crasé yon bon parti. Eh bien, là-dedans, eh bien, pour le moment, li nan men la police. Et puis, l'autre bord de l'eau, gagné un président américain, Joe Biden, eh bien, qui montait au créneau pour que li capable critiquer décision, eh bien, cour suprême américain li prend vis-à-vis de ancien président américain yo. Eh bien, compte poursuite légale selon Joe Biden, c'est une mauvaise eh bien décision que la Cour suprême américain lui-même l'y prend. Et puis toujours l'autre bord de l'eau, nous parlons cyclone ça, c'est cyclone Beryl qui a rapproché le vers Haïti, puisque cyclone déjà eh bien dans pays Jamaïque côté que l'a ravagé eh bien tout ça que les joignent sous route li, yo kembe alerte jaune pour pays d'Haïti, yo demandé pour que moun ki en Haïti yo même yo respecter tout consigne par rapport avec arrivée cyclone Beryl. C'est point ça avec plusieurs les autres n'a gagné pour venir développer un journal là, mais c'est pas la préposition. Nous tournons après pause là, une autre fois qu'on a salué tous les amis internautes. Bienvenue dans le développement en journal là. On a démarré le journal là avec une nouvelle concernant le dossier insécurité pour nous dire que l'examen qui a opéré un agressier, eh bien, est kidnappé, eh bien, un père dans la paroisse grecière qui est Emmanuel Saint-Elia, eh bien, monsieur Axabio, nous connaissons qui était attaqué commissariat grecière dans le moment attaque ça, eh bien, il est arrivé, tout y est plus passé, une vingtaine de monde et il est porté à ensemble avec yo, eh bien, un père ça qui relait Emmanuel Saint-Elia, n'a pas rappelé qui c'est un père dans la paroisse grecière. Bon, dit pas seulement fait action ça, puisque Negaxamio yo crasé, eh bien, yon bon parti dans le commissariat grecière. N'a pas quitté information concernant dossier, eh bien, insécurité, mais n'a toujours été dans le dossier insécurité pour que nous capables à parler concernant un rapport ça que, eh bien, UNICEF limite. Dehors, UNICEF fait qu'on est par rapport avec action insécurité, eh bien, Negaxamio mettait dans le pays, il y a plus de 300 000 Timoun qui obligé quitter la capitale pays pour qu'ils soient capables de prendre refuge dans une ville provinciale. Eh bien, déplacement ça arrivé par rapport avec Kouzama qui a tiré dans le quartier populaire qui occupé par Negaxamio. Eh bien, UNICEF demandait pour que l'autorité soit capable de prendre une décision par rapport avec insécurité. Ça qui n'est pas même visé Timoun en Haïti. N'a pas quitté information concernant eh bien UNICEF cette fois-ci pour nous parler de la police nationale d'Haïti. Nous pourquoi il pas faire un examen cap opéré dans la commune et Grecier. Eh bien monsieur Axam Sayo qui est même te prend un commissariat en otage. La police annonçait que yo rivé récupérer commissariat que Negaxam dans la commune Grecier était pris en otage
Après un bon bout de temps que nèg examen te fin prend commissariat ça en otage, la police t'est obligée de déplacer plusieurs unités qui fait partie de l'institution pour qu'ils soient capables à récupérer un commissariat ça. Et dans la minute n'a pas de là, pour le moment, faut qu'on dit que un commissariat ça lit en bas mais autorité au niveau PNH. N'a pas quitté information concernant pays nous pour que nous capables aller à l'étranger, surtout aux États-Unis, gagner un président américain Joe Biden qui lui-même monté au créneau pour critiquer décision Cour suprême américain prend vis-à-vis de immunité. Eh bien, quelques anciens présidents dans pays États-Unis gagnent. Eh bien, selon Joe Biden, il n'est pas normal pour que ancien président Sayo, à chaque fois que il commet une action par rapport avec immunité, il est obligé de protéger dans ce sens. Eh bien, président américain lui monté au créneau hier lundi dans le souci pour que il est capable de critiquer que décision ainsi là n'a pas quitté eh bien pays les États-Unis pour que nous capables aller dans pays Jamaïque pour nous parler de question en cyclone gagné un cyclone Beryl qui lui-même a pas rapproché vers Haïti dans minute n'a parlé là cyclone nan, qui déjà dans pays Jamaïque et cyclone ça qui déjà a commettre en pile dégâts dans pays Jamaïque il déjà fait yon mort et bien pendant passager dans pays Jamaïque n'a pas rappelé cyclone nan, qui t'a supposé rentrer dans pays an, à soyan et gagner alerte jaune qui lancé vis-à-vis de pays an. Yo mande tout moun pour que yo capable rete la kayo pour éviter eh bien traverser rivière par rapport avec passage cyclone nan cap rentrer dans pays an aswea qui a fini demain mercredi cap 3 juillet 2024. C'est ensemble information sa yo avec plusieurs autres que nous t'arrivé développer dans journal là n'a mande rete connecté pour que nous capables continuer suivre journal et surtout des reportages avec VOA Creole. Mina actualité. Quelques grands points de mina actualité. Le président Joe Biden critique les décisions que le super États-Unis prend pour protéger le président américain contre poursuite légale contre action qu'il a posée pendant qu'il était sous pouvoir. Ouragan Beryl qui tourne une catégorie 5 prend direction Jamaïque après avoir frappé Saint-Vincent avec la grenade. Et puis en Haïti, la police annonçait qu'il prend contrôle. Un commissariat nègre a été occupé pendant le week-end dans tout le capital là, Port-au-Prince. Oui, ça c'est quelques points à développer pour le journal là jeudi. Eh bien, pour nous commencer, on a commencé d'abord avec des désastres naturels. Eh bien, ouragan Beryl qui est en catégorie 5, eh bien, il prend direction Jamaïque après des fins causant en pile dégâts dans deux îles, tant qu'on a Saint-Vincent avec la grenade Valley au Saint-Louis depuis New York. Cyclone Beryl te vin tourner une tempête tropicale catégorie 5 dans la nuit hier lundi après que l'été passé sous plusieurs îles dans sud-est Caraïbes là. Il te vin à gros la pluie et puis gros vent qui fait en pile dégâts. Dans moment Beryl c'est première tempête tropicale catégorie 5 dans Atlantique là d'après rapport météorologie. Il te vin développer sous forme un cyclone qui potentiellement catastrophique. Avec vent cap soufflé à une vitesse maximum de 260 km par heure. Centre national cyclone américain te dit bien bonne dans journée que Zile Kariakoua, qui se youn nan parmi Zile Grenadinho, te prend gros frappe direct avec Zye cyclone nan, qui se parti qui très dangereux dans tempête là, à gros vent qui pas de camper. Selon ça, Centre national cyclone américain te dit, Zile qui tout près, tant que Saint-Vincent Grenadinho, te fait expérience tout beaucoup de payo, de gros vent tête chargée, avec vague l'an mais tempête là qui menaçait la vie mounio sous Zile. D'après Centre national cyclone américain. Zile Saint-Georges à Grenadinho t'est frappé à gros la pluie, à gros rafale vent qui rachait plusieurs pieds bois. Pendant que vitesse vent était baissée dans le pays Barbade, résidents ont fait sondage sous dommage. La rio était couvert avec débris que vent était gaillé et puis vague la mer était montée main hauteur. Enfin, on s'attendait plus ou moins, parce que c'était prévu quand même qu'il y ait des vagues de 5 mètres. Mais néanmoins, c'est la première fois que même en période cyclonique, enfin, lorsqu'il y a un cyclone, on a vu la mer aussi démontée que cela. C'est vraiment la première fois que ça se passe à Saint-Plus. Et finalement, Beryl a tout emporté, comme vous pouvez le constater. Et là, il faudra plusieurs jours pour pouvoir remettre tout en état, surtout à l'aube des grandes vacances. On s'attendait à des dégâts, mais pas aussi importants. Regardez, tout le fond de mer est cassé.
Nan moment, autorité voye yon avertissement pour tempête tropicale pour zile Saint-Lucie ak pays Martinique. Autorité ba avertissement tout pour tempête tropicale pour tout côte sud Haïti a sorti nan Punta Palenque nan République Dominicaine, nan l'ouest la, rive sous frontière Dominicani ak Haïti. Cyclone Beryl qui toujours yon tempête tropicale catégorie 5 t'assemblé nan moment prend route pour pays Jamaïque, d'après Centre National Cyclone Américain. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Nan notre point cap de minatualité, on a venu ici aux États-Unis, et bien, non, du président Joe Biden, pas de mettre de l'eau dans la bouche, lui, pour lui critiquer décision que les États-Unis en prend, qui t'a exempté ancien président, yo, ou bien, ancien président américain, yo, contre poursuite judiciaire, pendant qu'il t'a sous pouvoir, sans la lumière. Dans le discours prononcé dans la Maison Blanche lundi soir, Biden critiquait décision que le suprême n'en prend qui bail Trump avec l'autre président immunité, c'est-à-dire protection contre accusation la justice. Biden dit peuple américain a gain droit qu'on ait rôle Trump t'a joué dans révolte 6 janvier 2021. Probablement ça pas fait pas avant élection. I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years. Li di mwen konnen m pral respekte limite pouvoi prezidansyèl la. Jan mwen fè sa pandan 3 an et demi manda mwen. Men nenpòt prezidan et Donald Trump la dan pral lib kounye a pou pa okupe lwa peyi a du tout. The president is now a king above the law. Juge Sonia Sotomayor publie yon opinion kontre ak majorite 6 juj yo ki vote pou di prezident yo joui immunite pou kek pamisa ki opose nan kad travay prezidentiel yo. Li di desisyon majorite a pemet ou prezident tounen yo wa ki piwo pase lwa peyi a e ke desisyon an limite akuzasyon la justis lanse kont ansyen prezident Donald Trump pou wol li te joui nan emeute 6 janvier 2021 ak jefòr pou renverser rezultat eleksyon. Li di desisyon ki pral probableman elimine posibilite pou pose Trump la deroule anvan eleksyon novanm lan kompletman indefansib. I concur with Justice Sotomayor's dissent today. Li di mwen d'accord ak sa juge Sotomayor di ke tout utilizasyon pouvoi ofisyel vle di prezident se yon wa ki gen plus pouvoi pase la justis. Li kren pou demokrasi, li di, e li di pep Ameriken an dwe kren tou. May God bless you all, and may God help preserve our democracy. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté un ancien parlementaire haïtien a demandé ou bien encouragé et force police nationale, force police internationale qui est Kenya dans tête li, et puis au travail ensemble avec police nationale là pour capable garantir sécurité population hein, ou dans tout ça. Youn nan point qui kembe actualité en Haïti, c'est question qui gère rapport avec policiers kenyan yo qui commencé débarquer dans le pays d'Haïti dans cadre mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, côté débat continué à fête sous question ça. Ancien député Deus de Honnête qui baille opinion sous sujet ça dit, lui saluer des marches là. Lui fait connaître, c'est vrai pays d'Haïti besoin d'une force internationale pour aider PNH rétablir l'ordre et la sécurité, mais lui dit, c'est pas solution à ça. On besoin rentrer dans la production, dans l'industrialisation d'Haïti, pour nous créer emploi, pour nous créer conditions pour moun en Haïti vivre dans le monde, pour chaque haïtien qui a mangé, boire et dormi en paix, laisse ça diminuer la question insécurité. Deus de Honnête qui gagne un doctorat en économie, critiqué salué le leader politique traditionnel, lui estimé qu'il n'a pas fait rien en termes de développement durable dans l'intérêt collectivité. La politique traditionnelle nous gagne là, qui formait pour la plupart des leaders transactionnels, des mouns qui pas gagné un projet qui marie, qui m'a connaît tout haïtien ensemble, yo, ça vient faire que nous perdit autodétermination, nous, comme peuple. Autodétermination, nous, qui kembe en donne, ça nous relè la souveraineté, nous hypothéquel parce que justement, nous gagnons paquet de leaders transactionnels. Et c'est wall aussi ces problèmes sous gouvernance là pour nous remplacer leaders transactionnels par des leaders transformationnels
qui gagne un projet pour les nous al parler avec nos amis à l'international, nous pas parler de aide, nous parler d'investissement direct étranger, nous pas parler de kembe menou, nous parler de possibilités pour nous venir investir ensemble, pour nous faire l'argent ensemble, nous parler de possibilités pour nous exploiter Haïti ensemble, parce que Haïti son patrimoine pour le monde entier. Pendant ce temps, bon ami, ils ont continué à semer la terreur en dans différentes communautés, notamment Croix des Bouquets, qui na direction S, Port-au-Prince. Où est-ce tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Nous avons quitté Port-au-Prince, nous avons fait un vol, nous avons tombé justement dans Kenya, côté police et population locale là. Prend la rue, surtout dans Nairobi, pour protester contre le pouvoir en place là. Nous avons joué gentil Augustin pour plus de détails. Manifestation déroulée dans la capitale Kenya, station Taxio, te fait une démonstration accès kay vide. Mandé pour la police suspend utiliser trop force pendant manifestation yo. People are dying on the streets and the whole thing you can talk about. Dans la ria et puis li a parlé de l'argent. Nous pas l'argent, nous c'est moun, nous c'est humain et li doit prendre soin peuple li parce que s'il pas capable prendre soin peuple, nous pas besoin li sous chaise là. Yon jeune femme qui te gen rad li mouillé à glo pendant li te chita sous trottoir, te blessé nan tête. Yon groupe moun qui te bon côté, t'ap essayé siye sans sou li. Yon l'autre côté, plusieurs manifestants t'ap pote yon jeune garçon nan yon camion ambulance. Manifestant ça, di li vin protester pour petit li yo. I'm protesting for my kids. Moi a protester pour petit moi yo. Génération Alpha et moi t'ai grandi dans paix président moun ke vote moyen engagé et ke vote moyen ka viré qui donc ou tota doué konnen ke nous révoquer li ou tota doué garder drapeau nou an et puis réaliser ke gen yon raison qui fait nous gen yon ban rouge ça c'est pour sang kenyan yo et si li paré pour faire sang nous couler nous paré pour nous camper devant li. Manifestation anti-gouvernement en Kenya te gaye nan ville Mambosa mardi 2 juillet 2024 la. Pendant tout mécontentement contre administration président Ruto wa a continué augmenter. Manifestants yo te prend la rio. Yo te pote pancarte ak message tankou logement abordable pour tout Kenyan qui reflétait frustration publique ak situation actuelle la. Parti opposition Kenya Orange Democratic Movement ODM fait une réunion comité central jodi mardi 2 juillet pour parler sous crise qui continue dans pays. We consider this to be Kenya's last best chance. Nous considérons ça comme dernier pi bon chance Kenya gagné. Jeune yo bay pays nouan dernier chance li. Soit nous prend li et puis nager avec nan appliquer toute revendication yo, ou soit nous ignorer li et puis couler pays à net. Elite continue pour le dire. Régime Kwanza Kenya doit prendre toute responsabilité pour tout le monde qui mourit, blessé et puis destruction propriété qui sorti dans opération violente pendant manifestation pacifique yo. Police anti-révolte Kenya te tiré gaz lacrymogène sous manifestants yo dans Nairobi jodi mardi 2 juillet ya. Même mouvement protestation qui pas gen aucun leader officiel et qui organisé largement à travers réseaux sociaux yo té rejeté appel ou té lancé pour dialogue même après l'été abandonné proposition augmentation taxe qui té déclenché événement yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Non, moi, non, secrétaire d'État américain, Antony Blinken, parlait pour dire que proposition président Joe Biden fait pour mettre fin dans la guerre marocaine sont proposition qui réalisable. Cependant, il m'a demandé pour l'idée à Massio accepter proposition ça, Serge François Michel. Blinken souligne l'importance plan pour après-guerre, pour rebâtir Gaza et pas quitter vide dans sécurité sous territoire.
Pendant troupes israéliennes continuent à entrer plus fort dans Gaza pour chercher militants, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé hier lundi qu'il a presque fini d'éliminer la capacité militaire Hamas. Nous avançons sur la dernière étape de l'élimination de l'armée terroriste Hamas là, et nous pourrons continuer à frapper le restant groupe là. Annonce a fait un moment le secrétaire d'État Anthony Blinken dans une interview dans l'institution Brookings dans Washington. Derrière les leaders Hamas, vous demandez accepter une proposition de la paix en plusieurs étapes qui sous table négociation connaît. I think the proposal that President Biden put forward is achievable. Je pense que la proposition que président Biden présentée est réalisable et c'est la meilleure façon pour avancer, moyen plus rapide pour mettre fin à un conflit à Gaza, pour mettre fin à la violence là, pour porter en pile assistance, pour mener tout le monde tourner la caillou parmi les otages américains. Il y a un Palestinien qui voit la ville changer net et qui voulait pour le monde qui fait le saio rendre compte, c'est docteur Mohamed Abou Selmia, directeur de l'hôpital Al-Shifa, joint Liberté Bonnet à Yelendir, après Palestinien, qui a été kembé en bas code depuis mois novembre. We were subjected to severe torture. Les inos sont des gros actes maspinaïs et au cassetti droit de moi. C'est plusieurs fois, au bat moi en tête. À côté, moi saigné plusieurs fois. C'est presque chaque jour, j'étais torturé dans la prison israélienne. Service prison israélien, dit journal Washington Post, n'est pas au courant des actes maspinaïs, c'est le mieux à parler. Il dit, prisonnier, il a droit pour te plaindre que l'autorité a examiné en campé l'attention. Troupe israélienne te fait descendre des liens dans l'hôpital Al-Shifa. Passé, peut-être soi-disant militant Hamas a servi à clé comme une sainte commande. Responsable hôpital Layo démenti l'accusation, ça y est. Mais il y a eu la guerre seulement, on se maquant à faire 50 Palestiniens qui ont été retournés à Gaza pour traitement médical. Serge François Michel, VOA Créole. Dans notre programme de mini-actualité, avocat immigration Nadine Gédéon a porté précision sur confusion qui s'est mise à gagner dans le nouveau programme TPS que l'administration a lancé ça pas longtemps et qui entre en application à partir de lundi 1er juillet. Côté que immigrants qui bénéficient ont gagné confusion pour connaître qui ça veut faire exactement, dans quelle catégorie que vous et si catégorie vous êtes capable d'appliquer pour programme TPS là, nous t'ai parlé avec Nadine Gédéon. Si vous faites asile déjà, vous avez droit d'appliquer pour TPS parce que deux dossiers sont différents, vous êtes capable de faire chemin parallèlement. Donc, moi, toujours, je recommande que les clients pour être capable de joindre plus de protection que possible. Parce que l'offre pour asile, ou pour qu'on ait protection, ou gagne un statut qui pendant. Donc, et les capables en temps pour prendre une décision sur l'asile. Donc, en attendant, on a besoin de l'autre protection. On a droit d'appliquer pour TPS ou pour prendre une protection TPS dans tout. Pour les gens qui sont sous déportation, par exemple, qui sont déjà dans TPS, devant un juge, le juge n'a pas agréé demander l'asile là. Donc, on a pratiquement ou bien techniquement sous déportation. Est-ce que les gens sont capables d'utiliser ou bien encore bénéficier de TPS là? TPS là, on a une grosse variété de protection. C'est ça qui fait que c'est une protection qui est importante, qui permet de ces deux mondes qui couvrent en bas, qui ne peuvent pas couvrir en bas d'autres statuts. Et par exemple, un monde qui vient en ordre de déportation, gagne de statut, on ne sait pas qu'il gagne. Cependant, TPS là, il couvre tout le monde. Seul monde que TPS n'a pas couvert qui ont ordre de déportation, c'est monde qui te gagne en déportation en absence. Ça veut dire qu'il pas participer dans et tribunal, dans audience tribunal li, qui te raté audience tribunal li, côté que jugement ba un ordre in absentia. Moun sa yo, malheureusement la loi dit qu'il est pénalisé pour 10 ans et yo pa ka y rempli, yo pa ka joindre certaines protections. Li liv en bas la loi immigration. Mais moun sa, sou sa te rive ou gen 10 ans passé, ou ap gen chance pour ka appliquer pour TPS. Madame Nadine Gédéon, une autre question qui est encore, c'est moun qui entre sous programme humanitaire Biden. Et ah. Même tout, yon vin non programme spécial tout. Et son pratiquement programme 2 ans lié. Qui
question ça est intéressant parce que nous connaissons mon Biden yo vini au fur et à mesure nous gagne monde qui était venu et en janvier 2023 et nous gagne monde qui fait crever pareil donc conseil moi c'est que président Biden pas annoncé extension pour rôle pour monde qui était là yo qui parole yo va expirer en 2025 donc nous pas connaît si la permettre et mon salaire renouvelé pour lui et l'autre danger qui gagne quand une nouvelle administration qui rentrait en 2025 qui antigen et pas trop aller dans le même sens avec administration Biden non, qui qu'elle doit retirer et programme ça complètement et qui ne doit pas permettre mon renouveler pour lui donc conseil moi avec analyse que me fait c'est sous capable appliquer pour TPS ou qualifier pour TPS et fil TPS tout parce que de toute façon nécessité pour participer dans prochaine élection et américain on a pas élection novembre 2024 là nous pas joindre et juste de rentrer alors on parle des immigrants c'est immigrants qui ont droit voter aux États-Unis c'est citoyens haïtiens américains par exemple nous pas juste de rentrer pour plus de détails. C'est sous l'audience Haitian American Democratic Club, menant à diverses autres organisations Mac Fabric démocrate, que une réunion stratégique pour intégrer Haïtiens en Floride puis plus dans la vie politique dans pays américain, tête en main dans Multipurpose Center qui dans ville de Vie. Réunion s'est déroulée en trois étapes. Dans la première partie, Congresswoman Sheila Sherfilus McGormick a fait une intervention sous vidéo, côté elle a invité l'audience pour enregistrer pour voter et supporter candidat démocrate qui prend l'élection. Dans la deuxième partie réunion, invité a été divisé en quatre groupes de travail. Désinformation, développement économique, immigration, justice criminelle internationale. Dans la troisième partie réunion, chaque groupe de travail a délivré résolution qui prend pour intégrer Haïtien Piplis dans la vie politique État Floride. Rod Joseph, candidat pour sénateur, a partagé dans le micro à Creole sa qui a débat dans le comité justice criminelle internationale. Et il y a trois questions qui sont posées. Est-ce que vous devez porter en charge contre le crime contre l'humanité, contre ce qui passe en Haïti? Hein? Et puis, comment pour initier une campagne pour arrêter les gens qui font gaspillage de l'argent? Et puis, troisième question, c'est comment pour nécessité pour empêcher arrêter les gens pour impunité, les gens qui ont impunité et puis qui ont corruption? Dans le comité qui a travaillé sur des informations, Guirtel Nicolas a expliqué l'impact social média qui a de l'air pas bâillé bonne nouvelle. Dans le comité immigration, Ronald Surin a débattu l'importance et l'opportunité haïtienne gagnée à TPS plus programme Biden. Dans le comité développement économique, là, c'est l'importance d'enregistrer business haïtien avec l'État qui a débattu. Dans le finissement de la réunion, nous avons pris l'opinion de quelques participants, parmi eux, Emile Dominique, qui seulement gagne 8 jours dans l'État Floride. Moi, je gagne 8 jours. J'ai déjà fait 8 jours depuis que je suis à Haïti, dans le programme Biden, non. Moi, je suis dans un pays américain. Quelle opinion de meeting que vous participez là? Belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille. On s'en dit là, je suis dans un pays, je vais participer. Moi, je viens dans un pays américain, puis je vais participer dans un grand compte. Ça m'a appris, non. Bon, on sait que je ne connais pas, que même que je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'écrit, je ne peux pas comprendre. Oui, je ne peux pas comprendre, mais je ne peux pas comprendre. Bon, moi, son bail qui est bien passé, pratiquement son bail est très, très positif, ça a fait. Hein? Parce que dans la communauté, c'est ça que nous avons besoin. Et ça, nous avons besoin, c'est tête ensemble, ça que nous avons besoin, c'est le monde qui prend responsabilité, nous mettons tête ensemble pour nous faire bail au marché. Parce que très souvent, nous n'aurions été ou pas fait un, hein? Et puis nous avons besoin que la manne soit tombée du ciel. Il faut soutenir voter. Parce que l'on vote ou pas voter pour vous seulement, vous votez pour petit tout et petit petit tout. Et c'est ça pour nous faire passer. Dans une réunion avec divers leaders communautaires pour l'intégration haïtienne en vie politique des États-Unis, non PAM, c'est Jude Onse pour Véroa Creole, ville de Vie, État Floride. Opération nettoyage dans la capitale haïtienne à Port-au-Prince, Yves Manuel. Mairie Port-au-Prince lance une vaste campagne nettoyage pour capable propter commune. Lundi 1er juillet, le service voirie nettoyé divers quartiers dans Port-au-Prince, dans la rue, canapé vert et boudon. Opération ça après possible dans l'autre zone dans la capitale, selon l'autorité de la mairie. Administration communale, là, M. Luxon Janvier a dirigé, déclaré la guerre à la question fatra qui nuisible à la santé population. Mairie a travaillé sans prendre souffle pour ébailler la ville visage d'antan.
campagne nettoyage ça, il y a la donne collecte fatra, ramassage déchets dans la rue, débouchage caniveau yo côté a nettoyer caniveau pour éviter inondation et puis on volet sensibilisation côté a informer citoyen yo sur importance pour kembe propreté dans environnement yo. Monsieur Janvier souligné engagement administration là pour collaborer avec communauté a pour créer un environnement qui sain côté moun a capable vivre. Objectif la mairie c'est rendre Port-au-Prince propre et agréable pour vivre pour tout citoyen qui habite dans la région. Magistrat invite chaque citoyen pour participer activement dans la campagne ça et adopter comportement responsable vis-à-vis environnement. Mairie Port-au-Prince mandé coopération tout citoyen pour kembe quartier yo propre et corriger fort communal yo. Gagne divers points collecte cap gain pour mettre à disposition citoyen yo sans compter équipe qui va déployer pour assurer suivi et efficacité campagne ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis Haïti prend tête un district dans Otay Club, Gérard Maxine pour plus d'état depuis ville Cap-Haïtien. C'est des belles ambiances samedi soir dans première plage dans ville Cap-Haïtien dans moment côté ancien gouverneur district 70-20 pour année Otarie 2023-2024 là David Kirkaldi te remet collier gouverneur par nouveau gouverneur district Dominique Bazin première femme haïtienne qui rivé dans grade ça dans Otarie nouveau DGA madame Dominique Bazin qui t'a parlé avec VOA Créole expliqué priorité le pral la paix. Ma priorité ce sera la paix, une paix inspirée par ce qui se passe dans notre pays vit un moment très dur, un moment que nous n'avons jamais connu et donc inspirée de ces problèmes que nous vivons, nous allons nous battre pour la paix, nous allons demander au club d'encadrer les jeunes, d'encadrer, de faire vivre des moments de solidarité à tous ceux qui en auront besoin. Puisque nous sommes là pour servir, nous sommes dans l'eau, Henwash, nous sommes dans l'éducation, mais cette année, je veux que nous nous penchions sur la paix et avoir des projets où nous pouvons nous unir pour marcher la tête haute et sans conflit, on espère. Bon côté PAL, gouverneur sortant, David Kirkaldi, annoncé, li prêt pour travail avec nouveau gouverneur d'Istria, Dominique Bazin. Moi, je ne peux pas attendre pour le travail avec le nouveau gouverneur de l'Istria, Mme Dominique, pendant que lui-même l'a fait un effort pour tout le monde pour que Otari soit capable de travailler pour faire promotion de la paix avec résolution de conflit. Il y a une façon pour que l'incroyable beauté naturelle absolue et chaleur, le peuple haïtien toujours exprimé, et pendant la visite, moi, je suis capable de vivre par un pile l'autre monde un peu partout à travers le monde. Qui ont bagage spirituel dans l'actualité et qui pas souvent ça qui n'a vie en personne lorsque nous venons dans le pays d'Haïti. Moi pense que tout Otarien haïtien yo et gagne opportunité pour servir année ça et moi connais que nous pas travailler très dur pour nous soutenir nouveau gouverneur d'Istria madame Dominique. Otarien t'es sorti tout partout dans le pays à te répondre présent dans l'occasion dans ville Cap-Haïtien samedi soir. District 70-20 gen la dans 10 îles parmi eux: Haïti, Jamaïque, Bahamas, îles Caïman, îles Vierges Britanniques et Turks and Caicos. Ça fait 4e fois que Haïti prend leadership district ça. Dernier gouverneur haïtien district 70-20 c'était docteur Robert Léger dans l'année 2017-2018. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Non mais football bah oui. En tout cas bon États-Unis qui t'a participé dans Copa América bon et monsieur je suis dit pas la petite porte. Entraîneur Greg Berhalter bon diable monsieur vous connaissez la responsabilité à sous d'entraîneur les balles pas marché mal. Et États-Unis tout après c'est une pays qui a accueilli et Coupe du monde 2026 là donc il dit que faut équipe la bien préparée s'il va traverser
phase de groupe là, donc en pile question qui vous posez tout pour équipe là dans l'ensemble puis entraîneur en particulier. Et puis dans Coupe d'Europe des Nations, dans Coupe d'Europe Euro 2024 là, et bien mais Portugal passe à côté on défait oui. Ronaldo rate une pénalité mais chance pour lui, match à en prolongation. L'équipe Slovénie a tombé, qui était bien organisée. Eh bien, Slovénie, Kimbela, il va aller en prolongation. Eh bien, là, il avait sorti de pénalité. Eh bien, les gens, il a mal passé pour eux. Gardien, Portugal, et Kimbé, trois premières pénalités. Et que l'équipe Slovénie a été écrit. Donc, monsieur, il a marqué trois goals par eux. Parmi Ronaldo, ouvert fait là. Donc, Portugal qualifié. Donc, je dis à Guinée Brésil qui a joué tout. Nous rappelons que l'Argentine déjà qualifié déjà. Guinée Canada qui est dans la région Panama. Canada qualifié pour quart de finale. On a parlé de Panama qualifié tout pour quart de finale. Eh bien, nous disons tout le monde merci. Franklin, c'était ingénieur de son nom. Jean-Marc Hervé Abelaté, de nous mettre son dans l'air. Eh bien, tous les autres amis nous qui étaient là. Eh bien, c'est Kim qui est là, je dis. Eh bien, bon, tous les autres amis nous qui aidaient nous mettre là. Gentil Augustin, Sandra Lemaire et tout le monde qui était là, qui participait dans l'émission. Ça, une façon on l'autre de loin ou de près, tout correspondant nous. Merci un pile. Bon après-midi. Jacques Lap tourne demain. Après que ministre justice là, M. Carlos Hercule, mette Chitap Gontitan, commissaire du gouvernement, eh bien, Ville Kaila, Ronald Richemont, pour que vous capable enquêter sous lit par rapport ensemble avec yon ensemble accusation que eh bien yo recevoir de commissaire là gagné yon groupe moun nan population civile cayenne là qui yo même te piquette yo devant parquet eh bien ville au Kaila pour que vous capable mander arrestation Ronald Richemont. D'après yo Ronald Richemont eh bien c'est yon dealer drogue yo Ronald Richemont c'est un gang, Ronald Richemont c'est un criminel, Ronald Richemont eh bien li c'est un assassin, li c'est un kidnappeur, Ronald Richemont t'a utilisé pouvoir l'état pour être capable faire abus, Ronald Richemont t'a utilisé pouvoir l'état pour être capable voler d'après groupe manifestant ça yo, eh bien faut nous dit que manifestant ça yo pas mettre de l'eau dans bouche yo pour que vous êtes capable de critiquer et avilir Ronald Richemont par rapport à avec ensemble action que lui posait pendant que lui commissaire gouvernement dans la ville au Caï. C'est pas jodi hein, non Ronald Richemont a cité dans un ensemble de dérives pendant que lui c'est commissaire du gouvernement ville au Caï. Pas oublier non Ronald Richemont cité dans la question assassinat. Gen pile moun ki kapab di sa m'ap di la. Ah oui. Ronald Richemont non cité comme moun qui contribuait, qui participait nan assassinat Gary Tess. Qui est Gary Tess? Gary Tess c'est yon en pile moun di c'est journaliste. En pile moun di c'est analyste politique. Eh bien, Gary Tess li te kon animé yon émission nan yon radio nan ville Okay ki rele eh bien le bon FM. Par rapport avec position Gary Tess, l'el critique dérive que ancien commissaire gouvernement ville Okay la n'a parlé de Ronald Richemont, eh bien ki kon genye sous Ronald Richemont et Ronald Richemont kon fè, eh bien Gary Tess moun Okay t'as pas constaté que il y a plusieurs jours yo pas trouvé cigarettes montées, cigarettes descendent. Yo t'as pas joué un cadavre, yo t'as pas joué un corps cigarettes sans vie. 5 jours après que il était fini paraître disparu. Après que il était fini disparaître, yo pas qu'à jouer un corps, yo pas qu'à retrouver, et mais yo t'as pas joué un corps sans vie qui donc il était mort. Dans l'enquête qui menait, il y a certains brins qui ont été arrêtés. Et bien ça, il parlait en pile causé. Il même fait qu'on est que Ronald Richemont a mal mission pour exécuter Gary Tess. Eh bien, après décision, eh bien, ministre de la Justice, M.
Carlos Hercule, et mais il y a une bonne quantité de monde dans la population qui est victime de Ronald Richemont. Ils ont profité de l'occasion pour qu'ils soient capables de fouler le béton, pour qu'ils soient capables de protester, pour qu'ils soient capables de célébrer la contentement, pour qu'ils soient capables de montrer la joie par rapport à une telle décision. Et ils ont même demandé arrestation, gangnan, criminel, assassin, kidnapper, voleur, dealer de drogue. Ronald Richemont. C'est pas moi qui dis. C'est manifestant. Yo. Eh bien, bon, invitez-nous tendez. Groupe manifestant ça yo, d'ailleurs, qui était très en colère, il y a plusieurs d'entre eux qui t'ont réagi. Entendez pour nous. Pas mon petit bataille! Mais madame, on va faire manifestation. Justement. Parce que vous êtes en route pour madame. Je dis à un peuple à mobiliser. Tout le monde qui était dans le cachet, qui était dans le trou, tout le monde qui était victime et qui était en oppression, pas de cachot dans la rue. Et mais je dis à tout le monde qui vient là, devant le parquet, pas devant le parquet, dans le parquet, contre le commissaire du gouvernement AI, James Jean-Louis. Avec avocat nous, nous venons porter plainte pour Richemont. Le peuple a déposé plainte pour Richemont à tout acolyte. Pour gang, criminel, assassin, kidnappé, dealer drogue, volontaire, Ronald Richemont. Est-ce que nous tenons bien? Est-ce que nous tenons bien? Peuple, après décision ministre de justice, là, pour que vous capable de mettre Ronald Richemont. Pour Tichita yon côté en attendant que yon enquête sur lui, eh bien, peuple sorti dans silence li par rapport avec yon ensemble de actions, eh bien, que Ronald Richemont a fait yon. Jodi a, yon décidé pour que yon capable vin pote plainte contre Ronald Richemont qui se yon gang, criminel, assassin, kidnappé, volete, dealer drogue. On continue, tande. Nous mobiliser, nous pas faire lâche, nous pas faire bac. Peuple a tout profité de lancer un ultimatum. Côté peuple a bail 24 heures de temps pour Richemont à tout accroli de Lyon qui continue à faire zak dans la ville avec gros âmes dans le monde. Tant que Patrick Clerville, Hervé policier, Motimé policier. Ou pas qu'être là, t'as quoi, des Grégory, des Rigal, des Stanley, et mes jodis à la, des Bab, tout n'est que ça y a avec Zam non villa, y a marché terroriser population, hein? Population by 24 temps. Dame ça, la lépine ou un poule dit que, mais, yo by 24 temps. Qui donc c'était hier, manifestation t'as fait? Jodi 24 heures ta doué écoulé pour que yo capable arrêter Ronald Richemont ancien commissaire gouvernement ville Okaïla ensemble avec pile acolyte yo jusqu'à présent cap théoriser population li Biden non tankou ti Patrick Clerville Hervé policier Motilette policier Grégory Rigal Stanley Bab li mande pour que la justice capable arrêter Ronald Richemont, ancien commissaire gouvernement, eh bien, Vilo Kailan avec acolyte yo. On continue tande. Assassin, criminel sa yo vin rentre tête yo. Sinon, peuple a pral bay tête li justice parce que des énormes Ramon déclaré zéro tolérance pour tout petit. Tout le monde, et mais je dis à la, le peuple a pris responsabilité. Les gens qui ont marché en bonnes âmes, ils n'ont pas compris qu'ils ont joué. De grosses âmes qui n'ont pas joué, ils continuent à casser, voler, braquer les gens, voler les motos, voler les bagages dans la ville. Et mais le peuple a campé, ils disent qu'ils ont pris la tête de justice. Dans 24 ans, si Richemont, à tout acolyte gang par Elia, ils n'ont pas vu la tête. C'est ça. Attention. Est-ce que un jour nous pas ta arrêter comme ça et bien tande Ronald Richemont mourir. Nan ki sa mourir, il mourir dans Beka.
Parce que si nous mettons des sables à dire, après 24 heures, si toutefois la justice pas arrêté Ronald Richemont, ainsi que ses acolytes, eh bien, peuple pral baye tête li justice. Et depuis peuple baye tête li justice, nous connaissons li pas ni deux, ni trois bagailles, c'est Beka, Boakale. Est-ce que Boakale pral passer sous Ronald Richemont par rapport avec ensemble bagaille que yo reproché par rapport avec ensemble dérive que population jusqu'à présent dit que li fait pendant que li était eh bien commissaire du gouvernement. On continue tendre mounyo. Nous pas faire lâche, nous pas faire bac, camper pour mes Boakale tout l'humilier, population préparé fouini, rachli, picli, gazli, allumetli, la privé sur yo. Je vais nous témoigner là-dedans, oui, ou pas faire avec nous. Non, mais nous pas faire ça, nous pas faire ça. Nous pas faire ça parce que je dis là, c'est pas que nous y même j'ai Ronald Richemont. Nous pas nous volontaire même j'ai Ronald Richemont. Je dis à mes Ronald Richemont pas qu'avin là, mais je dis à population là, nous là, mon li tap touye yo là. On l'a terrorisé là, mais je dis à Richemont, pas qu'à venir là, qu'à collecter. N'a pas continué la bataille pour Sainte-Croix. Le combat, le tout combat, je dis à la population, prenez cette main. Et mes mandats qui étaient derrière, c'était mandat qui était derrière, parce que nous avons défendu la population. Mandat qui était derrière, c'est mandat qui était derrière, parce que nous avons dit que les choses ont fait là, pas bon. Mandat qui était derrière, c'est mandat qui était derrière, parce que nous avons dit qu'il faut que les gens allaient, les gens pas arrêter là, nous ne pouvons pas supporter ça pour les gens encore. Mais je dis là, mais nous là, mes populations là, mais je dis à Richemont, pas là. Je dis à peuple là, Richemont, pas là. Et je dis à Napoli, chapeau une fine de ce, pour nous y tout pas chapeau paille. Peuple cap bataille, pas qu'on perdu. Je dis à ces piques de sa situation pour nous présenter devant le parquet des cailles, dans le cadre du dossier assassinat Frem Desgari, que Ronald Richemont tué le 10 octobre 2022 et qu'il a lagué quoi à Foco. Malgré toute tentative que nous avons fait le 25, pour nous prendre le cadavre là, Richemont dévoyé par cop, interdit nous. Richemont déplacé dans souhait, là il cherchait le cadavre là, mais pas de caprini. Donc, je dis, nous passons presque environ 2 ans dans Maron. Comment comprendre pour frère mourir? Pour moi, je suis Maron pour un vagabond. Pour moi, je suis Maron pour un vagabond. Et je dis, nous clair, il commence à jouer. Même Jean-Garry Poli dit, pas de place pour gagner le pouvoir là. Dès que le général de la police a dit, zéro tolérance pour vagabond. Donc, je pense que c'est jeudi, pour que la police mette deux voies à l'autre propre, pour la justice, par le biais du nouveau commissaire d'État, les teams, pour mettre le travail au propre, pour que vagabond ça, qui c'est Ronald Richemont, qui c'est gang ça, mettez-le en bas de quoi c'est nous-mêmes pas ça. Parce que Ronald Richemont l'a gué avec tout le monde qui a ça, moi-même, pas de couteau dans même. Pas rien en même. Cela veut dire que ma main de justice pour Desgari, pour tout le monde qui est victime de part de assassin sa criminel ça, vous mettez le bon côté de quoi que Desgari jeune justice à tout l'autre monde qui mérite justice. Donc, je pense que. Bon, nous ferons petit campé. Moun qui t'a parlé là, c'est petit frère Desgari. Li fait qu'on est que li était obligé dans marron. Par rapport avec un ensemble d'informations que li gagne. Ronald Richemont te vle touyel. Est-ce que nous comprenons? Ronald Richemont te vle touyel. Eh bien, depuis après décision, li décide retirer col dans marron pour que li capable mette col dans la rue pour capable mandé arrêter Ronald Richemont. Nous pral fon ti campé avec manifestation ça, j'ai pour te dire tout à l'heure, eh bien, qui t'est fait hier lundi 1er juillet 2024. Nous pral, ouais, yon l'autre réaction. Ronald Richemont, qui c'est ancien commissaire gouvernement, Bilo Kaila, eh bien, li fait yon l'autre sortie. Et cette fois-ci, li dit animal la normal, li normal net. Et ni pas mettre l'eau dans la bouche pour citer non quelques monde qui tape manifester pour demander arrêter qui dans gang. Ronald Richemont déclaré moun sa yo identifié ak ISO 5 secondes.
yo identifié à Guy Philippe, yo kon participé nan yo gen nou yo nan question association malfaite. C'est moun ki en a fait ak la justice pour zak ke yo fait nan la ville Okay. En attendé ancien commissaire gouvernement ville Okay lan Ronald Richemont, après n'a fait analyse, n'a parlé avec Ronald Richemont. M'ap salue nous dans nos papa nation Jean-Jacques Dessalines. Je dis l'important après manifestation qui fait hier lundi 1er juillet devant parquet Okay côté manifestants ont demandé arrestation commissaire Richemont. Majorité manifestants c'est de monde qui gagne des démêlés avec la justice pour zak yo fait dans ville Okay. Si m'pre, par exemple Samuel Edba commerçant identifié à ISO 5 secondes que parquet t'est arrêté pour implication présumée dans trafic marchandises pour ISO 5 secondes, gaz trafiqué pour ISO 5 secondes. Et dans l'époque ça, tout camion Samuel Edma était marqué 05 qui c'est initial ISO 5 secondes. Joanne Calix, après arrestation Kilikou, gang dans Savanne, fait 3 ans dans Maron pour être l'étape alimenter Kilikou avec ZAM, munitions avec l'argent. Retourner tout dernièrement vin empêcher l'école ouverte Okay dans la matière fécale devant toute l'école aller dans cimetière Okay déterrer mort la guerre dans mitan la rue Beto nèg Gaza habité dans Tibanan après intervention SDPJ sud Idbo sud saisi 30 doum gasoline la caille monsieur depuis là ça monsieur dans marron et m'a rappelé monsieur commissaire Richemont pas présent la intervention ça a été faite. Maman, sœur, ma tante, famille Tichito, qui arrêté pour implication présumée dans l'assassinat de T-France, musicien Full Rastar, que Tichito te baille balle dans le pied dans le club Vibe, 8 jours après Rachel Bolakaili dans le marché jeudi à la gueule Bor Fatma. Monsieur arrêté pour attaque qui était fait sous commissariat 4 chemins en 2022 et laissa les policiers qui étaient blessés. Soje bok 4 chemin, monsieur a écrasé plat à terre et pote aller tout sa kan de bok la et jusqu'où nye bok la pa ka rekapé. Archibald fils, cousin Guy Philippe, commerçant, qui t'a recevoir en pile nèg exam, qui t'a planifié pour craser prison civile Okay, incendié ak fermé kek bureau public dans le parquet Okay, délégation DGI ak la mairie. Amboise, allié Tichito, qui participe dans tout mauvais acte que Tichito t'a fait Okay. Casser commissariat, tirer moun, tirer sous la police, bloquer, casser bok, baka, nèg Théo Vamilfo, qui t'a instrumentalisé, Robert Blanc manan, que l'État haïtien déporté, lui-même, que la police au cas étape cherché coucher fou pour tentative incendie sous l'école, frère Odile Joseph, bureau public, bureau privé, que monsieur t'a menacé pour brûler. Qui donc peuple haïtien, c'est Jean de Mounsayo qui était campé devant le commissariat Okay qui a fait des ordres, qui a demandé arrestation commissaire Richemont. Donc si menti, conseil sécurité sud là va porter démenti avec notre sac que publié. Merci en pile. Voilà. Moun nous t'attendé là, c'est Ronald Richemont. Qui est-ce qui Ronald Richemont? Ronald Richemont, c'est ancien commissaire gouvernement ville Okay. Ronald Richemont, que ministre justice, Carlos Hercule, pendant ce maintenant, dit monsieur, on titule l'accord. En attendant, parce que gagnons ensemble de plaintes que nous recevons, dans le ministère, on t'y mette sous-côté, en attendant que nous enquêtons sur ça, yo reproche yo. Il y a plusieurs plaintes parmi eux. Assassin. Une plainte, c'est drogue dealer. Nous t'attendons, Mounio. Association de malfaiteurs. Et gagner kidnappeur, voleur, puisque vous dit que Ronald Richemont, l'icône volait. Je me répète d'après manifestant, d'après manifestation qui était faite, eh bien, hier lundi. 1er juillet 2024. Ronald Richemont, nous sommes prêts ensemble pour me tendre l'intervention là. Youn nan bagay que ou di, ma fait un petit chita sou li,
ou di majorité moun nan manifestation sa yo, se moun ki nan gang. Ronald Richemont, ou te commissaire du gouvernement, ville ou kay. Ronald Richemont, ou pa dirije même. Si majorité moun sa yo, se moun ki te nan gang, automatiquement ou pa la anko yo met tête ou dehors, ou pa tap dirije. Ou pa chef Ronald Richemont. Ou pa chef, sou te chef, mba se yo tap derrière ba. Tout est chef ou tap konnen pour qui raison qui fait que yo relâché si toutefois ou te kembe yo. Ça c'est premier bagage. Ronald Richemont, moun yo prend la rue côté que yo vraiment accusé de yo ensemble de fait. Yo accusé comme gang, comme criminel, comme assassin, comme kidnappeur, comme volontaire et comme drogue dealer, dealer drogue. Ronald Richemont, moi te attend moi nan sorti que ou fait ou t'a pral démenti formellement accusation ça peut-être bon temps toujours Ronald Richemont moun yo fait connait que ou gayon ensemble moun qui avait et bien moun sa yo c'est bay moun pression c'est touye moun c'est courir derrière moun faire chasse aux hommes. Moun sa yo, yo cité non yo. Ou pa di an yen concernant dénonciation sa. Tankou, si Patrick Clerville, Hervé qui se yon policier, Grégory, Motilet qui sont policiers, Rigal, Stanley ak Bab, et nan mande ensemble avec ministre justice la, pour mettre action en mouvement contre tout le monde. Si pas gen tiré, pas gen volé. Comme yo te bras droit Ronald Richemont, eh bien, la justice en vite en déo par rapport avec yon ensemble de faits que yon reproché. Yon ensemble de faits que yon reproché. Ronald Richemont, ou di majorité moun sa yo se gang, mais c'est des moun qui fait des sorties côté que ou te mette des mandats derrière pour pou être capable de faire silence. Parmi eux, le frère de Garites, li obligé de sortir dans silence li après que, d'après ça, il dit, ou fin manger frère. Après que ou fin manger frère, qu'est-ce Gary, eh bien, ou te sorti pour te manger pour ne pas parler. Mais automatiquement, on parle encore, l'idée c'est de sortir dans le silence, l'idée partie dans la manifestation. Est-ce que je dis, hein, eh bien, frère Garites, est-ce que c'est gang lié le fait que la demande justice pour frère Garites? Ronald Richemont. M'a rappelé que groupe manifestant ça, yo bay la justice. 24 pour que yo capable arrêter ou pour que yo capable marrer ou pour que yo capable fouquer ou par rapport avec yon ensemble accusation eh bien que yo fait vis-à-vis de ou même kounya ou nan conseil pambou pas arrêter des réseaux sociaux pour faire notre sortie, pour saluer partisans ou sympathisans. Jusqu'à présent, beaucoup ni partisans ni sympathisants yo prend la rue. M'attend Ronald Richemont. Bien peut-être yo capable prendre la rue demain. Peut maintenant capable fini pour prendre la rue. Hein. Mais Ronald Richemont, conseil moi pour vous. Portez tête ou aller. Pour la justice capable de tendre. Léo fin tendre, laisse ça, il a décidé. Si que on va faire reste vie ou dans prison, si que il a bon une peine, si on va la caillou dit allez pas pêcher encore, pas faire ça encore, il a bon petit sous domé ou bien tout si que yo capable prouver que ensemble de ça que yo reproche yo ou blanc que la neige eh bien, wap
sorti et pour qu'a continuer travail Ronald Richemont. Parce que Ronald Richemont connaît son cadre. C'est un cadre, si on fait pays sérieux, cap utile pays. Mais malheureusement, ça fait mal. Je m'attendais que dans l'ensemble de dérives, dans l'ensemble de actes criminels, non Ronald Richemont a cité. Arabe parle de Ronald Richemont, navine avec son arabe là. Arabe dit que ou prend yon ensemble de moun ou fait arrêter innocemment pour être capable de jouir de poisson, pour être capable de faciliter, pour être capable de faire qu'un bon son content, d'après Arabe. Ronald Richemont, Mounio dit après 24 ans, manifestant dit après 24 heures, il a passé dans la deuxième phase. Et deuxième phase, là, c'est justice populaire. Il a baillé la justice. Et je dis à l'époque, il a dit la baillé la justice au Richemont, c'est Beka, Boakale que lié. D'ailleurs, il a dit qu'il y a tout le bagaille. Il y a un pic, il y a un wash, il y a une manchette. Il a commencé à préparer contre vous-même parce que vous faites trop mal au Ronald Richemont. Kounya là, qui soit décidé? Ou décidé prendre Beka ou bien ou décidé pour te tête ou bien la justice? D'ailleurs, si toutefois vous êtes safe ou blanc, même genre avec neige, Ronald Richemont, pour qui ça ou pas, pour te tête ou? Eh bien, yon l'autre fois encore, entendez ancien commissaire gouvernement Vilo Kaila Ronald Richemont qui lui-même te fait une sortie pour être capable eh bien critiquer groupe Mounsayo qui t'a organisé manifestation d'après Ronald Richemont eh bien c'est un groupe gang majorité dans yo c'est des gangs que vous entendez Ronald Richemont. Salut. M'a salué nous dans nos papa nation Jean-Jacques Dessalines. Je dis l'important après manifestation qui fait hier lundi 1er juillet devant parquet au CAI côté manifestants ont demandé arrestation commissaire Richemont. Majorité manifestants ça c'est de monde qui gagne des démêlés avec la justice pour zack qu'ils ont fait dans ville au CAI. Si moi par exemple Samuel Edma commerçant identifié à ISO 5 secondes que parquet t'est arrêté pour implication présumée dans le trafic de marchandises pour ISO 5 secondes, gaz trafiqué pour ISO 5 secondes. Et dans l'époque, ça, tout camion Samuel Edma était marqué 05, qui c'est initial ISO 5 secondes. Johan Calix, après arrestation Kilikou, gang dans sa vanne, fait 3 ans dans Maron, pour être l'étape alimentée Kilikou avec ZAM, munitions avec l'argent. Retourner tout dernièrement, vient empêcher l'école ouverte au CAI, dans la matière fécale devant toute l'école, aller dans le cimetière au CAI, déterrer mort, la guerre dans mitan la rue. Beto, nek Gaza, habité dans Tibanan, après intervention SDPJ Sud, Idbo Sud, saisit 30 doum gasoline, la CAI, monsieur, depuis la salle, monsieur, dans Maron. Et m'a rappelé, monsieur, commissaire Richemont, pas présent, l'intervention, ça a été faite. Maman, sœur, ma tante, famille Tichito, qui arrêté pour implication présumée dans l'assassinat de T-France, musicien Full Rastar, que Tichito te baille balle dans le pied dans le club Vibe, 8 jours après Rachel Bolakaili, dans le marché jeudi, à la gueule Bo Fatma. Monsieur arrêté pour attaque qui était fait sous commissariat 4 chemins en 2022 et laissa les policiers qui étaient blessés. Soje bok 4 chemins, monsieur a écrasé plate à terre et pour te aller tout sa canne de bok là et jusqu'où n'y est bok là pas récupéré. Achibal fils, cousin Guy Philippe, commerçant, qui t'a recevoir en pile nèg exam, qui t'a planifié pour craser prison civile au CAI, incendier et fermer quelques bureaux publics d'un coup paquet au CAI, délégation DGI et la mairie. Amboise, allié Tichito, qui participe dans tout mauvais acte que Tichito t'a fait au CAI. Casé commissariat, tirer moun, tirer sous la police, bloqué, casé bok, baka, nèg te ou 20 000 fois,
qui t'a instrumentalisé Robert Blanc maintenant que l'État haïtien déporté lui-même, que la police au cas t'a cherché coucher fou pour tentative incendie sous l'école Frère Odile Joseph, bureau public, bureau privé, que monsieur t'a menacé pour brûler. Qui donc peuple haïtien, c'est Jean de Mounsayo qui était campé devant le commissariat au cas qui a fait des ordres, qui a demandé arrestation commissaire Richemont. Donc, si menti, Conseil Sécurité Sud-là va porter démenti avec notre sac publié. Merci, Jean-Pierre. Peuple haïtien. C'était Ronald Richemont. En tout cas, nous tendez, ancien commissaire gouvernement en ville au Kaila, Ronald Richemont, deuxième sortie, et nous t'étendez tout, manifestant. Dossier ça, nous avons suivi de très près. Et n'importe information, n'importe suivi qui gagnait de dossier ça, eh bien, il faut que nous disions que c'est sous plateforme non, que nous sommes capables de joindre tous ces détails, toutes ces informations par rapport avec dossier ça. C'est une raison qui fait que nous toujours disons que vous avez intérêt pour que vous soyez capable d'abonner avec page. Et l'offre d'abonner ensemble avec plateforme, yo, eh bien, vous devez partager information yo pour que plus de monde capable vivre information yo, pour que plus de monde capable eh bien gain information yo en temps réel même gens ensemble avec vous et pas oublier quitter un commentaire pour nous eh bien à chaque fois que eh bien vous finissez regarder vidéo pour capable ban nous qui gens que ouais eh bien information yo qui gens que vous vivez information yo et pas oublier tout ban nous un like. Pas déconnecté, restez connecté. Dans un petit temps encore, n'apportez l'autre information ensemble avec vous. Ciao.